السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم اليوم غادي نبداو إن شاء الله غادي ندير الكوريكسيون ديال هذا البروبليم. دونك بروبليم إيتيري دان اندوموفيزم. دونك في لينونسي قال لنا دون سو بروبليم أو ديزين أن إير إسباس فيكتوري دو ديمونسيون فيني أن أبارتين أن إيطوال. أون نوت إل دو أو لونسومبل ديز اندوموفيزم دو أو إي لاندوموفيزم إيدونتيتي دو أو. أون كونسيدير إف أن اندوموفيزم دو أو. Vérifions la relation f carré est égal à 1 demi f plus l'identité. Donc la première question, pour quel alpha appartient à R, peut-on avoir f est égal à alpha i? Voilà donc la question, si pour quel alpha appartient à R, peut-on avoir f est égal à alpha fois i? Voilà donc on dit la question 1. Donc, c'est la question 1. Voilà. Je vais l'écrire avec une autre couleur. Voilà, donc la question 1. Donc, correction. Correction. La première question. Donc, supposons que f est égal à alpha fois i. Supposons que f égale alpha fois i. Voilà, donc on va supposer que f est égal à alpha i. Donc la relation ainsi que, donc elle est là, l'énoncé, que f carré égale 1 demi f carré égale 1 demi F plus I. Voilà, donc à dire la relation F carré est égal à 1 demi F plus I. Donc on remplace F carré par alpha I. Donc on remplace F alpha I. Donc on aura alpha carré. I au carré, c'est exactement I. Donc, alpha au carré i, donc égal, donc 1 demi, f plus i, c'est-à-dire alpha i, alpha i plus i. Alpha i plus i, d'où? D'où donc on aura 2 alpha i au carré. 2 alpha au carré. Moins alpha. Moins 1. Fois i. Égale 0. Voilà, puis, donc, pour l'identité est égal à 0. Donc, 2 alpha au carré moins alpha moins 1 est égal à 0. Oui, 2 alpha au carré. Donc, moins alpha moins 1 est égal à 0. Voilà, on remarque que alpha égale à 1. Donc, c'est une solution
Donc, c'est une équation de deuxième degré et par suite, directement, par suite. Donc, les solutions sont alpha égale à 1 ou alpha c'est moins 1 sur 2. Voilà, alpha est égal à moins 1 sur 2. Donc, l'inverse est trivial. Réciproquement, si alpha est, si f est égal à i ou bien f est égal à moins 1 sur 2, donc la relation est triviale, donc la réciproque est triviale. Donc les valeurs d'alpha sont moins 1 sur 2 et alpha est égal à 1. Donc on a les valeurs de alpha. Voilà, ça c'est pour la première question. Et pour quelle valeur de alpha peut-on avoir f est égal à alpha fois les densités? D'abord, quand on a la deuxième question, on revient au cas général. Prouver que l'endomorphisme F est inversible et exprimer son inverse F moins 1 en fonction de l'identité et de F. Donc, la deuxième question, c'est de montrer que l'endomorphisme F est inversible de. Voilà, il faut exprimer d'abord 2A, normalement. Montrer que F est inversible, exprimer son inverse. Donc, on a déjà F carré. Par hypothèse, on a F carré est égal à 1 demi-F plus l'identité, plus I. Donc, ceci est donc 2F carré. 2f carré est égal à plus i. Voilà, 2f carré est égal à f plus i. D'où, donc on va factoriser par f à droite et à gauche. Donc c'est mieux d'écrire ainsi. F carré. 2f carré moins f égale l'identité. Voilà, d'où. Donc, on factorise par f à droite et à gauche. Donc, à gauche, on aura si 2f moins l'identité est égal à i. C'est exactement si on factorise à droite, donc 2f. Moins i, f. Voilà. Et par suite, l'endomorphisme f est inversible. Et par suite, f est inversible. Et son inverse est f moins 1. F moins 1 est 2f moins i. Voilà, donc son inverse est 2f moins i. On passe à la question B. La question B, quand on agit, suffit que le noyau de f moins i et le noyau de f plus 1 demi i sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc, à la question, M. Saheb, Radin justifie la partie de l'Oula, Radin mimerait un noyau de F moins l'identité est un sous-espace vectoriel de E. B'nefs tariqa, b'nisba le noyau de F plus 1 demi-F. Voilà, donc la question P, Radin mimerait, b'ch nabouh l'ouaks, Radin justifie b'nisba le noyau de F moins l'identité P, montrant que noyau f moins i, c'est-à-dire moins l'identité, est un sous-espace noyau de f moins l'identité est un sous-espace vectoriel de E. Voilà, donc le vecteur nul, c'est 0. 0 appartient au noyau de f moins i.
Le très vertical noyau appartient au que 0 appartient au noyau de F. Donc 1 fois 4. Normalement, on va très bien. F moins l'identité de 0. C'est F de 0. Moins 0. C'est 0. C'est-à-dire déjà 0. Est-ce qu'on a l'image? Quand on dit application linéaire, l'image de 0 par une application linéaire égale à 0. Il est quand on dit application linéaire, l'image de 0, c'est 0. Dit qu'elle a 0. Voilà donc le noyau et non est différent de l'ensemble vide. Différent de l'ensemble vide. D'abord, il y a deux éléments, soit deux éléments, soit x, y. Appartient au noyau de F moins I. Et lambda appartient à K. Donc, on travaille E. C'est un R espace vectoriel, normalement appartient à R, car on travaille dans R. R.
الو، كنعتذر، الصوت ما كان مشكل في الصوت، ممكن دابا انا كنعتذر نقول ارجع. الو دونك اف دو اكس ايغال موان زان سور دو اكس، فوالا دونك اف دو اكس ايغال موان زان سور دو اكس. لاحظوا معايا شنو عندنا هنا، عندنا دو شوز، عندنا اف دو اكس كتساوي اكس، وفي نفس الوقت اف دو اكس ايغال موان زان سور دو اكس. دونك كنجمعوا هادو بجوج، جمعناهم قلنا اف دو اكس سي اكس، نجمع هادو بجوج اف دو اكس ايغال اكس، ونفس الشيء هاد اف دو اكس ايغال موان زان سور دو اكس. دونك سوسي امبليك الوغ، نحسبو هنا دونك قلنا اكس هي اف دو اكس، وفي نفس الوقت قلنا اف دو اكس هي موان زان سور دو اكس. هما هادو اللي جمعنا هنا، هاد لي دو كونديسيون هما هادو اللي هنا اللي سطرنا عليهم بالغوص، هما هاد جوج لي كونديسيون، هذا وهذا، فوالا. دونك هادو اللي جمعنا بجوج، الوغ 3 اكس سور 2، 3 سور 2 اكس اكس ايغال 0 اي باغ سويت يو اكس ايغال 0. فوالا دونك فينالمون لانترسيكسيون سو ريدوي ا 0 car le singleton 0 déjà inclut l'intersection. D'où donc le noyau de F moins I inter le noyau de F plus 1 demi I F plus 1 demi I égale à 0, se réduit à 0. Voilà. Maintenant, on va montrer que دقيقة ونكملوا بسرعة، دقيقة ونكملوا.
هو غادي نرجعو نكملو، نرجعو نكملو هذا، نكملو دونك وصلنا لهذا لو بوان. دونك بينا ان لا سون ديريكت. دابا شنو غادي نبينو؟ نبينو كو او ايت ايغال دونك مونترون كو او ايغال دونك سي لو نويون دو اف موان اي plus le noyau de F plus un demi I. Voilà, donc on va essayer de montrer ça. Donc, analyse synthèse. Analyse synthèse. Donc, analyse, donc soit X, analyse synthèse, donc X va être bien rédigé, je te le dis. Donc, analyse, je vais le dire, analyse. Je vais le dire, je vais X ou Y, on va dire la synthèse. Donc, analyse. Donc, soit X appartient à E. Donc, soit X appartient à E, supposons que X égale U plus V. Voilà, supposons que X est égal à U plus V avec donc avec U appartient à noyau de F moins U et V appartient au noyau de F plus un demi I. Voilà, donc on va supposer. Donc on calcule f de x. Donc f de x. Donc d'après la linéarité de f de x c'est quoi? C'est f de i. On remplace x par i plus v. Voilà, donc x c'est x que c'est i plus v. Donc c'est f de i plus v. Et d'après la linéarité de F, c'est F de U plus F de V. Voilà, qui est égal. F de U, je vais U. Alors, je vais F de U, qui appartient au noyau. Donc, il y a le passage de là. U appartient au noyau de U appartient au noyau de F moins neuf chez Adna V. V noyau de F plus un demi. Donc F de V, c'est exactement moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2 V. Bien là, bien, ça, on est là qu'un X appartient à I. بينز بان اف دو اي هي اي نفس الشيء اف في ابارتيان او نوايون دو اف بليس ان دو بي دو في الوغ اف دو في ايتيكال موانز سيغ دو فوا في دونك اون كونتين اون كونتين فوالا لقينا ان اي اكس ايتيكال اي بليس في دونك نكتبوهم شنو عندنا قلنا اكس كيساوي اي بليس في ياك وقلنا اف دو اكس كتساوي f ديال u موانز 1 سور v. دونك اي بار سويت دونك باش نلقاو بوغ اوبتونيغ لو v
Donc, V est par suite, donc V égale. Voilà, il suffit de résoudre le système pour obtenir le IUV. Donc, il y a une résolution du système, XIA plus V, ou U, F de X, il y a I moins 1 sur 2V. Donc, il y a une résolution du système, alors V, c'est oui. C'est 2 sur 3x. Moins 2 sur 3 f de x. F de x. Voilà. Puis on peut l'écrire sous forme. Si 2 sur 3. Moins 2 sur 3. Maintenant, voilà, check moins 2 sur 3. F moins l'identité x. Voilà, c'est la même chose. Vous pouvez écrire CF moins l'identité x. Moins 2 sur 3, F moins l'identité de x. Et V et UU égale. Voilà, donc si on... Donc, I, il y a V moins X. Si V moins X, donc moins 1 sur 3. Si X moins V, donc Gina, X moins V, voilà. Donc, c'est 1 sur 3. 1 sur 3X. Plus 2 sur 3 V. Sur 3 f de x. Voilà, donc on peut factoriser par 2 sur 3. Donc si on factorise par 2 sur 3, 2 sur 3 c'est exactement f moins l'identité plus 1 sur 2, 1 demi, l'identité. Appliquer à X. Voilà, d'abord, on va demander l'analyse. D'abord, on va dire synthèse. Donc, analyse, donc, synthèse. Il y a des questions. On va dire analyse, synthèse. Donc, نمشيو نقص نحسب حيت اي و في ما معروفينش عندنا دونك نمشي بعدا نلقاو اي و في وعاد كنوضعهم سينتيز دونك سوا اكس ابارتيان ا او سوا اكس ابارتيان ا او دونك بوزون Donc, posons le U. U est égal à 1 sur 3. Voilà, directement, U ici 2 sur 3. 2 sur 3, U, 2 sur 3, F plus 1 demi l'identité. UX est égal, donc directement, si 2 sur 3. F plus 1 demi l'identité X. C'est exactement 1 sur 3 f de X plus 2 sur 3. Cette écriture, on va mettre de l'échelle, je appartient au moyen de moins IV. Voilà, donc on a de V, il y a moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3F, moins l'identité de X. Voilà, qui est égal à 2 sur 3X, moins 2 sur 3F de X. D'abord, on a X est égal à U plus V. On a X.
y en a eu plus fait. Voilà, le x est égal à u plus v. Là, nous avons eu la somme des nombres. Donc, on a dit, on a dit, la somme des nombres. Donc, le cas c'est 2 sur 3 plus 1 sur 3, c'est 3 sur 3x, c'est x. Et u, le vecteur u appartient au noyau de f moins i. Oui, en effet, en effet. Donc, je vais connaître le vecteur i à partir au moyen de f moins i. C'est une chaîne de f moins i, le vecteur i. Et trouver 0. Il faut calculer f moins l'identité. Donc, f, en effet. Donc, comme je suis sur F, moins l'identité de U. Donc, je suis sur I, et qu'on a juste la lettre. Donc, c'est 2 sur 3. Donc, on fait le jeu 2 sur 3. Donc, je n'aurai pas F moins I. Donc, avant, donc, c'est F plus 1 demi X. Voilà, donc ceci est égal. Donc, si 2 sur 3, elle est déjà la développée. Donc, elle parle si 2, c'est f carré, si 2 f carré moins f. Donc, f carré moins f. Donc, moins f sur 2. Voilà, donc si 2 sur 3. F carré donc moins 1 sur 2 F donc moins 1 sur 2 l'identité on va dire moins 1 sur 2 F plus I voilà, appliqué à X je ne laisserai développer ça de l'écriture. Ou ceci égal à 0. Là, je fais ça déjà égal à 0. C'est F, c'est le terme, c'est 0. C'est le terme nu. Remarquez que F carré, va être un affinancé, il y a 1 demi. F plus I. Voilà, donc, c'est le terme qui sert à 0. Et par suite, ceci égale à 0. Et c'est f carré moins 1 sur 2 f plus 1 demi à 0. Par la justification ici. Bon, je suis dans mon cas, il ne faut pas me poster. Je vais car f carré est 1 demi f plus i. Voilà. Donc, U appartient au noyau de F, au noyau de F moins I. Par la même démarche, le V appartient au noyau de F plus 1 demi, de même. Donc, ma dit, je me suis dit, je me suis dit, donc de même. De même, le V appartient au noyau de F plus 1 demi l'identité. Donc, le vecteur X se forme la somme de deux vecteurs, U et V, avec U appartient au noyau de F moins l'identité et le V appartient au noyau de F plus 1 demi l'identité. Voilà, finalement,
Donc, d'où E est égal à E est égal. Donc, si le noyau de F moins l'identité, plus le noyau de F. Donc, la condition de tenir de l'ensemble de la balle, je m'en ai condition lourde, c'est-à-dire que le noyau de F moins I, la somme directe, dire noyau de F moins I, noyau de F plus 1 demi I, je m'en ai les deux conditions, on déduit que le noyau de F moins I, le noyau de F plus 1 demi identité sont supplémentaires dans I. Donc, finalement, E égale moyen de F moins I plus moyen de F de F plus 1/2 l'identité. Voilà, donc regardez deux la question. On passe à la question D. Donc, la question D, calculer F 1/2 avant F moins I, on déduit. Donc, allez, je vais les calculs, c'est 0, c'est facile à vérifier. Avec la question, facile à vérifier. Normalement, il est calculé PSAT de T. De T, donc je n'ai pas F. F plus 1 demi l'identité, F moins l'identité. Donc c'est f carré, normalement c'est f carré moins 1, moins 1 sur 2f, moins 1 sur 2 identité, égal à 0. Voilà, toujours k, f carré, par hypothèse, donc, f carré. Si 1 demi f plus l'identité. Voilà, c'est 1 demi f plus l'identité. Alors, on déduit que le noyau de f plus 1 demi l'identité est égal à l'image de f moins l'identité. دونك ديجا حنا كنعرفوا لاحظوا معايا هذه اش كتعطيني حيت هذه اللي حسب دابا هذه غابيل عندي واحد فورم د غابيل هذه ريزولتا تري تري كلاسيك فاسيل ا فيريفي غابيل دونك ناخذ اف اي جي دو زوندومورفيزم دو او او ان كا اسباس فيكتوريال لو كور كا ايتان كور كوميتاتيف ايكال ار او سي K espace vectoriel F et G deux endomorphismes de E. Donc, G en F est égal à 0, ou bien GF, ou bien G en F est égal à 0. Quand dit GF, je simplifie la notation. Si seulement si, quand dit G en F, je simplifie la notation. Donc, G en F est égal à 0. Si seulement si, donc l'image de F inclut dans le noyau de G. L'image de F, exercice qu'on appelle inclut dans le noyau de G. Voilà, on a équivalence.
دونك غنابليكيو هاد اللام هاد الغابيل هذا باش غادي ديمونطري بحال لي اف ديالنا في هاد الحاله هي اف مول ايدونتيتي هذه اللي كتلعب لنا لو رول ديال اف و اند هذه هي جي دونك الا كانت جي دو اف جي اون اف ايكال ا زيرو دونك ليماج دو اف انكلي دون لو نوايو دو جي Voilà, donc l'image de F moins I. Donc, comme, on va voir comme. Le rappel, d'abord, les visites qui sont extrêmement bizarres. Les visites très, très classiques. Comme F. Égal à 0. Donc, alors, on va appliquer, on va prendre f, il y a f moins l'identité, on va appliquer le rappel, on va prendre g, il y a f plus 1 demi l'identité. Alors, donc, l'image. De f moins l'identité inclus. Dans le noyau de F plus 1,5 identité. Voilà, donc je vais vous montrer la dimension. Je vais vous rappeler une autre fois. Je vais vous rappeler la dimension. Dia noyau de f plus 1 demi l'identité ou a ou a le rang de f moins l'identité c'est à dire donc on devrait le rappel on a un espace vectoriel de dimension finie dimension finie n donc f et g sous espace vectoriel f i g sous espace vectoriel e de e donc il est quand même dit si f inclinant G. Quelqu'un a dit l'inclusion est inclinant G et dimension de F égale la dimension de G. Alors, donc, il y a les deux conditions pour l'espace qui de dimension finie. Voilà, donc, il y a l'espace l'air d'amener fait faire de l'ocarina d'exercice. C'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, il y a les conditions. Alors, F égale à G. Alors, le F égale à G. Voilà. D'abord, il y a déjà l'inclusion. Il y a l'image de F moins l'identité inclus dans le noyau de F. Je vais vous dire les dimensions. نبين بان لو غون ديال اف موان اي سيتادير ديمونسيون دو ليماج دو اف موان اي هو نفس ديمونسيون ديال الكير دو اف حيت انا ديجا عندي لانكليزيون وعندي او عندنا في لف لينونسي عندنا او ايتان ار اسباس فيكتوريال دونك باش نبين ليغاليتي خصني نبين غير ليغاليتي ديال لي ديمونسيون دابخي هاد الغابي اللي درنا حيت ديجا عندي لانكليزيون باش نبين ليغاليتي ايل سوفي دو مونتخي ليغاليتي دي ديمونسيون Voilà, donc on a déjà notre dimension, donc dimension d'IA, noyau de F, d'autre part.
Donc, dimension du noyau de F plus un demi-identité. Égal, c'est la dimension de E moins dimension noyau de F moins I. Alors, je vais donner une explication car on a déjà démontré là, un NAE qui sert au noyau de F moins I. F moins I plus E égale. Et dimension de moins dimension. Ça donne je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis libéré, je suis allé l'espace. Je suis allé, je suis allé, justification, dimension de noyau F. Donc, on a une justification car RDLH car E égale si le noyau de F moins I, c'est-à-dire moins l'identité, plus le noyau de F plus un demi identité. Voilà, donc dimension, déjà E est un espace vecteur, de dimension finie. Et bien, une dimension de E, dimension de E, c'est oui, dimension, elle implique, le noyau de F moins l'identité, et le noyau de F plus un demi sont supplémentaires dans E. Donc, ceci implique que dimension de E est égale à dimension de F. Nous noyons 2F moins I plus la dimension de noyons de F plus un demi. Voilà, donc dimension d'IL, dimension d'IL, moins dimension d'IL, c'est exactement le rang de F moins I. C'est selon le théorème d'Iron. Le rang de F moins I. D'IL, car ça vient de la justification d'IL, le passage là, donc la justification d'IL, le passage. Donc, le passage selon le théorème d'Iron. Selon le théorème d'Iron. Qu'est-ce que le théorème d'Iron l'a appliqué à la noyau de F moins I, c'est que dimension de E, toujours E dans la part hypothèse, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Dimension de E égale le rang de F appliqué à la F moins I, c'est dimension de I, F moins l'identité, plus le rang de F moins l'identité. Voilà. Donc, selon le théorème d'Iron, dimension. Voilà, donc je n'ai bien dit la dimension de F, une dimension de noyau de F plus 1 demi, c'est exactement le rang de F moins l'identité. Et par suite,
L'égalité, d'après un rappel l'examen à l'examen d'où noyau de l'image de F est égale au noyau entre semi-oxydable l'image moins l'identité. C'est exactement le noyau de plus un demi l'identité. Voilà donc un deuxième sous-alimbello. De même, la question de E. Donc, la question de E. Donc, de même, j'ai suivi pour le moyen de F moins est égal à l'image de F plus 1,5 l'identité. Donc, la question, je vais vous dire, Et on suppose désormais que les endomorphismes F et l'identité sont linéairement indépendants. Donc, je dis linéairement indépendants, c'est-à-dire que F est égal à la fois l'identité. Alors, la famille F, l'identité, il y est. Exprimer F3 et F4 comme combinaison linéaire de FII. Donc, regardez la question 3A. Donc, 3. Donc, attends, la famille FII liée, linéairement indépendante, c'est tout. Donc, la famille est, je pense, donc, linéairement indépendante, de la famille FII libre. De la famille FII linéairement indépendante, c'est-à-dire de la famille FII libre. Voilà, donc là, de la famille est libre. Donc, la question, c'est de calculer exprimer F3, F4. Donc, 3A. Donc, 3A. Alors, exprimer F3 et F4. Donc, F3 et F4 en fonction de F et I. Donc, F3, voilà quoi? Donc, il y a F, on peut écrire, c'est F, F carré, ou bien F en F carré, c'est la même chose. Et même, je vais simplifier les notations. En F carré, c'est F, F carré. Il est égal à l'émission en place, on a quand même un F carré. عندنا بار هيبوتيز عطينا بان اف كاري فلينونسي هي ان دومي اف بليس اي هذه عندنا بار هيبوتيز دونك اون رومبلاس اف كاري بلي بار ان دومي دونك اف بليس اي دونك سي اف Donc, F, donc 1,5F. Plus I. Et ceci égale, donc c'est 1,5F carré. Donc, on peut faire sortir. Donc, c'est un problème qui est qui est 1 demi f carré plus 1 demi f. Voilà, c'est 1 demi f carré plus 1 demi f.
نفس الشيء غادي نومبلاسي واحد اف كاري ايغال اكوا غادي نومبلاسي واحد اف كاري باغ ان اف اف بليس دونك كتجينا ان سور 4 ان سور 4 اف بليس اي plus 1 demi f. Donc ceci est égal, donc 1 demi, donc c'est 3 sur 4 f. Plus 1 sur 4 l'identité. Voilà, donc elle est f3. On a exprimé F3 en fonction de F et I. On dirait déjà qu'il m'a fait comme l'énoncé à tenir de la famille F, l'identité est linéairement indépendante. Donc, allez, je vais vous donner un peu. Il y a F3. Donc, je vais vous donner F4. Donc F4 est égal, donc c'est F, F3. F en F3. Voilà, on va passer, donc il y a F. Donc je n'ai pas F3. Il y en a un autre de l'expression, on a 3 sur 4. F plus 1 sur 4. L'identité. Donc, on aura ceci égal, donc c'est 3 sur 4, f carré, plus 1 sur 4, f. Donc, 3 sur 4, f carré, plus 1 sur 4, f. Et la même chose, on va remplacer f carré par 1 demi f. Donc, c'est 3 sur 8. Donc, F plus I plus 1 sur 4 F. Voilà, donc on fait la somme, donc ceci est égal. C'est 5 sur 8 F. F plus 3 sur 8 I. Voilà, donc ça c'est F4. Voilà, on a déterminé F3, F4 en fonction de F et l'identité. Donc, à je pense la question, c'est... On a la question 3B. 3B, on a établi que pour tous les entiers naturels N, il existe un couple AN, BN de réel et un seul tel que FN est égal à NF plus BNF. On va déterminer A0, B0, A1, BN, exprimer AN plus AN, BN en fonction de AN et BN pour N appartient à N. Donc, on a fait la question, on va établir que pour tous les entiers naturels N, il existe un couple AN et BN de réel, et un seul tel que FN et ANN, ANF plus BN fois F. Voilà, donc d'abord on va montrer l'unicité, donc la question 3A. D'abord on va montrer l'unicité. L'unicité.
Donc, supposons que Fn, pour montrer toujours, pour montrer l'unicité, en utilisant l'absurde, on va supposer qu'il existe au moins deux éléments, c'est-à-dire An et Bn et alpha n et bêta n, où on cherche à obtenir une contradiction. Donc, supposons que supposons que Fn égale à ANF. Donc, on va supposer que ANBN n'est pas unique. Donc, le couple n'est pas unique. On va supposer qu'il existe d'autres, au moins deux. Couple ANBN et bêta N alpha N plus PNI et FN égale alpha NF bêta N les densités. Voilà, on a alors donc, si on fait la différence, on aura AN moins alpha N. AN moins alpha NF. Donc, plus BN moins bêta N, l'identité égale à 0. Voilà, et par suite, or, on sait que la famille libre, déjà par énoncé, la famille linéairement indépendante, or, la famille FI est libre. C'est par hypothèse. Par hypothèse, quand on a de la famille, F est linéairement indépendant. Puisque la famille est libre, donc, AN est égal à alpha N et bêta et BN est égal à BN est égal à bêta N. AN égal à normalement, tu pourrais choisir. AN moins bêta moins alpha N, c'est BN moins bêta N, c'est 0. Là, c'est de la famille libre. Voilà, de la famille libre, il y a des coefficients, je joue mieux. Il y a deux coefficients. Nul, égal à 0. C'est-à-dire que A n alpha n et le bêta n égal à le bn égal à bêta n. Par suite, l'unicité. Ainsi, voilà, donc, maintenant on va l'existence. Voilà, on va montrer l'existence de AN et BN. L'existence. On va montrer l'existence par récurrence sur N. Va de même calculer A0, B0, A1 et B1. L'existence, donc, par récurrence,
fonction, en l'occurrence, sur n. Donc, pour n est égal à 0, donc, très calme comme l'autre, sera très calme comme l'autre. Donc, j'en ai un link melo. Donc, pour n, donc on a allé montrer les résultats par récurrence. Donc, pour n est égal à 0. On a pour n est égal à 0. Donc, on a F0. F0, c'est égal à l'identité. Voilà, qui est égal à 0 fois f plus 1 fois l'identité. Donc, le A0, c'est 0, et le B0, c'est 1. Donc, A0. C'est 0. Et le B0, c'est 1. Voilà, donc pour n égal à 1, donc pour n est égal à 1, donc je n'ai f, on peut l'écrire, donc c'est 1 fois f plus 0 fois f fois l'identité.
Voilà, donc هذه هي A0. Ça, c'est A1. Là, ou bien c'est AN, BN. Donc, c'est. Voilà, donc, هذا هو A1. وهذا هو B1. Voilà, donc A1 est égal à 1 et B1 c'est 0. Voilà, donc on va supposer la propriété établie en rang n. On va essayer de montrer en rang plus n plus 1. Supposons que Fn égale ANF plus BN identité. Et montrons que la propriété vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire Fn plus 1 égale AN plus 1F plus BN plus 1 identité. Voilà, donc Fn plus 1 égale à quoi? Fn plus 1, c'est F. Fn, F, c'est Fn, donc c'est F. On remplace Fn par ANF plus BN, l'identité. Donc j'aurai, donc c'est AN, F carré, plus BN, F. On va dans le nom placé, on va faire un F carré, il y a un demi F plus un demi F plus l'identité. Donc nous allons le nom placé au F carré. Donc c'est AN. 2, donc F plus I plus BN F. Voilà, qui on peut écrire se forme, donc c'est AN sur 2. Donc c'est AN sur 2 plus BN F plus AN sur 2. Identité. Voilà, donc il suffit de prendre, donc qui est égal à AN plus 1, on peut écrire directement égal à AN plus 1 F plus BN plus 1, l'identité avec AN égale avec AN plus 1 égale c'est AN sur 2 plus BN et BN plus 1 égale AN sur 2. Voilà, donc on a exprimé le AN plus 1 et le BN plus 1. Et la récurrence est établie. Voilà, donc on passe à la question. Donc, la question, c'est 3C. La question 3C, je n'en parle pas. Donc, dans la question 3C, on a formé une relation entre AN plus 2, AN plus 1 et AN. On déduit les expressions de AN et BN en fonction de N pour N appartient à N. Donc, on va essayer de former une relation entre AN plus 2, AN plus 1 et AN. Voilà, donc page. Donc, on a déjà, non?
Donc, on a un plus 1, donc la question 3C. Déjà, on a démontré que AN plus 1 égale à AN sur 2. Donc, si on calcule AN plus 2, donc AN plus 2, c'est la même chose si quel que soit N appartient à N. Donc, AN plus 2, c'est exactement si AN plus 1. Donc, non, ce n'est pas ça. Je pense à AN. Après, l'expression de AN, voilà, plus BN. AN plus 1, c'est AN sur 2 plus BN. On a oublié le BN. Plus BN. Voilà, donc AN plus 2 égale à quoi? Donc il y a AN plus 1 sur 2. Plus BN plus 1. Voilà, donc c'est AN plus 1 sur 2 plus BN. Donc, déjà, on sait l'expression de BN plus 1 égale à quoi? On a déjà l'expression de BN plus 1. On a déjà la question. BN plus 1 est à 1 sur 2. BN plus 1 est égal à 1 sur 2. Donc, si AN plus 1, AN plus 1 sur 2, donc on va remplacer BN plus 1 par AN sur 2. C'est exactement c'est AN plus 1 plus AN sur 2. Voilà donc la relation entre, c'est-à-dire d'où on peut l'écrire sous forme si vous voulez, on peut l'exploiter chez l'aide, d'où 2 AN plus 2. Donc, moins AN plus 1, moins AN égale 0. Voilà, donc, il y a une relation de récurrence entre AN plus 1 et AN plus 2, AN plus 1 et AN. Alors, on dit déduire les expressions de AN et BN. Donc, on va essayer de déduire les expressions. Donc, pour le cas de l'expression de la suite AN, il suffit de faire l'équation caractéristique. Pour le cas de l'expression de AN, donc l'équation caractéristique. Donc, j'ai l'équation de caractéristique. Donc, on a 2 moins 1, donc 2r carré. J'ai l'équation de caractéristique de r carré, 2 fois r carré, moins r, moins 1, égale à 0. Donc, on peut le mettre à r. Donc, r est égal à 1. Donc, les solutions, au moins r égale à 1 et moins 1 sur 2. Donc, ceci implique R égale à 1 ou à limite qu'on a sauvé la question l'oul c'est moins 1 sur 2 mais c'est l'équation qu'on a sauvé ou est-ce que c'est le problème voilà R est égal à 1 ou R est égal à moins 1 sur 2 et par suite bon mais qu'est-ce qu'on a dit admis deux solutions. Donc, le terme général AN et par suite AN, qui est l'échelle. Donc, et par suite, il existe normalement. Il existe lambda et mu
existe réel lambda u mu smium les prince. Tel que donc AN qui connaît deux solutions, la suite qui est AN lambda fois la solution lourde à la puissance N, la solution lourde à la puissance N plus mu fois la deuxième solution à la puissance N. Donc, 1 à la puissance N, donc c'est exactement C1, donc c'est lambda. Donc, d'où AN x goblin mukhalif égale C lambda plus mu fois moins 1 sur 2 à la puissance N, quel que soit N. Voilà, donc on a déterminé l'expression de AN. Donc, pour obtenir, normalement, on n'a pas terminé, il faut déterminer le A et le lambda et le mi. Voilà, on n'a pas encore terminé. Les conditions initiales. Donc, déjà, je pense déjà qu'on a à 0, voilà. Donc, à 0, je pense c'est 0. Et le A1, c'est 1. Donc, or, à 0, on a besoin de la condition, on utilise les conditions initiales. Et là, on a besoin de A0 et A1. Déjà, on a besoin de la condition, donc 0, on a besoin de A0. Si on remplace N par 0, on aura c'est lambda plus mi. C'est-à-dire lambda est égal à moins mi. Donc, et A1 est égal à 1. Donc, si on remplace N par 1, on aura lambda moins 1 sur 2 mi. Voilà. Et par suite, le lambda, lambda est égal à 2 sur 3. Donc, lambda égale à 2 sur 3 et mu égale moins 2 sur 3. Voilà, donc on a déterminé lambda et mu et par suite l'expression AN ainsi finalement. Finalement, AN, donc on a lambda par 2 sur 3, 2 sur 3, sur 3 plus mi, c'est-à-dire moins 2 sur 3 fois moins 1 sur 2 à la puissance quel que soit n appartient à n, donc ceci est vrai. Voilà, donc on a déterminé l'expression de la suite AN. Donc, pour obtenir BN, déjà, on a l'expression, on a la relation entre les AN et les BN. Donc, puisque BN plus 1, déjà, on a BN plus 1, c'est AN sur 2.
Puisque Bn est égal à 1 sur 2, donc on a donc c'est quoi An? C'est quoi Bn? Bn, c'est An moins 1 sur 2. Ou déjà, on a d'abord l'expression de An moins 1, c'est-à-dire 1 demi. Donc, je n'ai d'abord An moins 1, on a l'expression, il y a 2 sur 3. L'expression, on a An, on a An moins 1, c'est 2 sur 3, moins 2 sur 3, moins 2 sur 3, moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1. Voilà, donc ça c'est l'expression. Donc on peut simplifier d'où BN finalement. On peut simplifier par les deux. Donc BN égale à 1 sur 3, moins 2, moins 1 sur 3. Donc, moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1, quel que soit n, dans un toit normalement. Voilà, donc on a vérifié la propriété. On a déterminé le an et le bn. On a vérifié que la limite de an est égale à 2 et la limite de bn est égale à 1 sur 3. Donc, la limite de an. La limite quand n tend vers plus l'infini, on a an, donc il y a 2 sur 3, moins 2 sur 3, 3 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Ici, c'est 2 sur 3. Voilà, car entre parenthèses. Donc, la valeur absolue de moins 1 sur 2 inférieure strictement à 1. Donc, la limite, quand on tend vers plus l'infini de moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1, c'est 0. Donc, c'est passé n sans n moins 1. Excuse, l'expression de n moins 1 avec l'expression de la n moins 1, donc est égale à 0. Voilà, donc elle dit la limite de an. De même, la limite de bn est égale à 1 sur 3. Par la même démarche, la limite quand n tend vers plus l'infini de bn, donc c'est la limite, on remplace c'est la limite. Quand on tend vers plus l'infini, donc c'est bn, on remplace bn, donc c'est 1 sur 3, moins 1 sur 3, moins 1 sur 2, la puissance n moins 1, et ceci est égal à 1 sur 3. C'est 1 sur 3, car, entre parenthèses, car. Donc, moins 1, par la même démarche, même justification, le moins 1 sur 2 inférieur strictement à 1, et la limite de moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1, c'est 0. Voilà, on passe à la question 3D. Donc, la question 3D, on convient d'appeler limite de Fn à n, F plus B, un endomorphisme P. Justifie que P est la projection vectorielle sur et parallèlement à l'image.
Voilà, on va justifier que, donc, pour montrer que F est en projection, déjà P est linéaire et c'est un endomorphisme, comme somme de deux endomorphismes, F est un endomorphisme, il est un endomorphisme. Donc, c'est comme projecteur, inertie qu'on a un endomorphisme, application linéaire, telle que P carré égale à P. Voilà, donc 3D. 3D, d'abord F est linéaire, P est linéaire, comme somme de deux endomorphismes, il est clair. Donc, il y a un petit peu P au carré. P au carré qui est égal à quoi? Donc, on va remplacer P au carré, c'est 2F, 2 sur. Donc, c'est 2 sur 3. Plus 1 sur 3i au carré. Donc, ça, c'est exactement, ça, c'est des calculs faciles à faire. Donc, plus 1 sur 3i. Donc, F, 2 sur 3. Donc, les calculs faciles à faire, 2 sur 3F. Et donc, l'objectif d'y aller, c'est que P carré est égal à P. Donc, c'est une application linéaire telle que pi carré égale à pi. Voilà, donc si on calcule ça, donc on aura donc sur 4 sur 9, 4 sur 9 f carré, plus 4 sur 9 f. Plus 1 sur F fois les densités. Donc, on va remplacer F carré par 1 demi F carré. Donc, c'est 4 sur 9 fois 1 demi. On remplace F carré par 1 demi F plus les densités. Voilà, plus 4 sur F, 4 sur 9F, plus 1 sur 9I. Voilà, si on fait la somme, on aura si 2 sur 3F, plus 1 sur 3I, voilà, qui est égal à P. Voilà, et par suite. Donc, P est une projection vectorielle. Donc, P est une projection vectorielle. Voilà, donc montrer que P est une projection vectorielle sur le noyau. Donc la projection, qu'est-ce qu'on sur l'image parallèlement au noyau? Et on calcule l'image. Donc on calcule l'image, d'ailleurs la projection, qu'est-ce qu'on sur l'image parallèlement au noyau? Donc l'image de P égale, donc c'est l'image de P, c'est l'image de F. L'image, donc on a remplacé chez nous P. Donc P, on a 2 sur 3F plus 1 sur 3 les densités. Voilà, donc si on factorise par 2 tiers, donc c'est exactement c'est l'image. On factorise par 2 tiers F plus 1 demi de densité. Voilà, et l'image de 2 sur 3, 2 tiers fois F plus 1 demi, c'est exactement l'image de F. Plus 1 demi de densité.
Donc, l'image de F plus 1/2, l'identité. Et ça, on a déjà montré, c'est exactement ce qu'on a dit dans les questions précédentes, l'image de F moins l'identité est un noyau de F moins I. C'est déjà démontré, je pense, c'est la question. C'est la question 2. C'est la question 2E. Voilà, la question 2. C'est le noyau de F moins I. Question, voire question 2. 2E. La question 2E. Voilà, la même chose. On va chercher le noyau de P. OK, le noyau de P. On sait que la projection vectorielle toujours sur l'image parallèlement au noyau. Donc, c'est la projection sur le noyau de F moins l'identité. Donc, on va chercher le noyau de P presque par la même démarche. On remplace P par 2 sur 3 F. Plus 1 sur 3, l'identité. Voilà, on factorise par 2, même on va factoriser par 2, 2 sur 3. C'est le noyau de 2 sur 3. F plus 1 demi l'identité. Et ça c'est exactement sur le noyau. De F plus 1 demi, l'identité. Et le noyau de F plus 1 demi, l'identité, on a déjà démontré que c'est exactement l'image de F moins l'identité. Voilà, c'est la question, je pense, de E, bien, de c'est la question, c'est de T, la question de T, question de T. Voilà, c'est la question de T. Voilà, on a presque montré que, et parallèlement, on forme M est égal à lambda F, montrer que M est une sous-algèbre. On va essayer de montrer M est une sous-algèbre commutative de L de E. Donc, la question 4, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel stable par composition. Donc, c'est une sous-algèbre. Donc, la question 4A. Toujours, on a M inclus dans M. Inclus dans L de E. Voilà, c'est l'ensemble des endomorphismes qui forment F plus lambda E. Donc, on peut l'écrire F est égal M plus M par définition M. M est égal lambda F. Lambda F plus mu. Plus mu, l'identité. Tel que lambda et mu appartiennent à F. C'est exactement le vecteur de F et mu. Vecteur de F et l'identité. F et l'identité. Voilà. Donc, comme on a déjà dit que M inclut
dans LE. M inclinant LE, et l'identité appartient à M, il suffit de prendre lambda égale à 0 et mi égale à 1. Et le mi égale à 1. Voilà, donc on va d'abord montrer que M est un sous-espace vectoriel de L de E. Donc, on va essayer d'abord de montrer que F est un sous-espace vectoriel de L de E. Donc, on prend soit G et H, soit G, H appartiennent à M. Et lambda, bien pour éviter lambda, on utilise donc c'est alpha. Alpha appartient à F. Montrons que FG plus alpha H appartient à M. Voilà, donc G appartient à H. Donc, on peut l'écrire comme G appartient à M, G et H appartiennent à M, donc on peut l'écrire G égale, donc c'est lambda F plus mu et H, c'est lambda prime F plus mi prime I avec lambda mu lambda prime et mi prime sont des réels. Voilà, donc G plus, si on calcule G plus alpha H, donc G plus alpha H, c'est exactement, donc on peut l'écrire, donc c'est lambda plus alpha, lambda prime F plus. Donc, mu plus alpha, mu prime, l'identité. Voilà, et ceci appartient à M. Voilà, c'est appartient à M car c'est écrit sous forme de combinaison linéaire de F et I. Voilà, appartient à M. Donc, on a montré que G plus alpha H, car c'est écrit sous forme de combinaison. On peut poser, par exemple, si vous voulez, on peut prendre, ça c'est égal à lambda seconde, et ça c'est mi seconde. Voilà, donc G plus alpha H est égal à lambda seconde F plus mi seconde I appartient à M. Maintenant, on va montrer que M est stable par contre. Par composition, c'est-à-dire montrons que GH ou bien G-H appartient à M. Voilà, donc on va calculer GH. Donc GH. G, c'est quoi? Donc, c'est lambda F plus mi, l'identité. Donc, H, c'est lambda prime F plus mi prime, l'identité. Voilà, et ceci égal. Donc, c'est exactement, c'est
Donc, c'est lambda, 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 lambda prime f carré, lambda, lambda prime f carré, plus lambda mu prime, plus lambda prime mu, plus lambda prime mu f, plus mu, mu prime, l'identité. On peut remplacer f carré, on remplace f carré par 1 demi f plus l'identité. Voilà, plus lambda mu prime plus lambda prime mu f plus mu mu prime l'identité. Et ceci, donc c'est lambda mu prime plus lambda prime mu plus lambda lambda prime sur 2 f, voilà, plus mu mu prime plus lambda lambda prime sur 2 l'identité. Et ceci, voilà, c'est g en h. Et ceci, il est clair, appartient à M. Voilà, donc, par suite, M est une sous-algèbre. Par suite, M est une sous-algèbre va montrer que c'est un sous-espace vectoriel. On a montré la stabilité par la loi avant, donc c'est un sous-algèbre de LE. Donc, pour montrer qu'il est commutatif, il suffit de remarquer que GH, c'est exactement HG. De plus, on a GH c'est exactement HG. GH est égal à HG. Cette sous-espace, cette sous-algèbre est donc commutatif. Voilà, donc c'est une sous-algèbre puisque GH est égal à HG. Donc, il est commutatif. Commutatif. Voilà, on passe à la dernière question. C'est on détermine une base de la dimension. Voilà, donc pour déterminer une base de la dimension, il suffit de remarquer, donc c'est la question, c'est 4B. La question, c'est 4B. Donc voilà, donc on remarque que la famille FE, on a la famille FE est génératrice car E est égal vecte de FI. Donc c'est par définition de la famille FI, puisque M par définition comme M égale, c'est le vecte de FI. Donc, la famille FE est génératrice. Par définition, donc, la famille FI est
La famille FE est génératrice. Génératrice. Puisque la famille est libre, carré par, on a, par hypothèse, on a la famille est linéairement indépendante. Par hypothèse, F est libre. De M. Donc FI est une base dimension de F, c'est exactement C2. Dimension de M, le cardinal de F est C2. Dimension de M égale le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments FI qui est égal à 2. Voilà, donc on a terminé. Donc, il faut qu'on ait un problème.